Bonjour à tous, bonjour, welcome, bienvenue sur mon petit live du vendredi matin où mon fond vert est mal mis. C'est bon, j'espère que vous êtes tous très très bien sur le chat. Salut à tous, salut, bienvenue. Bienvenue, ça fait longtemps que je vous ai pas fait un petit live vendredi matin, mais il faut que j'arrive à lever plus souvent le matin. Ça pourrait être cool de faire un petit live matin un peu plus régulier. Typiquement, pourquoi pas faire le mardi matin, parce que lundi j'ai une vidéo à tourner, donc mardi matin, vendredi matin, jeudi matin. Ça pourrait être cool de se faire plusieurs matinées dans la semaine sur des jeux divers et variés. Partir un peu plus dans le multigaming, mais faire un peu plus d'autres choses en fait que du UMX, donc ça pourrait être cool. Mais salut à toi, Carbob, salut à toi, Clémiam, salut à toi, Jonash, salut à toi, LBPH, salut à toi, Mortilty, salut à toi, Rove, Co, salut à toi, Supa, Saya, salut, salut. Ouais, et pourquoi pas se proposer ces petits lives le matin de, je sais pas, de 9h30 à midi, le matin, le mardi, le jeudi, le vendredi matin, ça pourrait être cool. Ça pourrait vraiment être sympa, pourquoi pas. Et bon voilà, ce matin, on va jouer à un petit jeu qui s'appelle Phantom Abyss, qui est un jeu un peu à la Indiana Jones. En gros, vous avez un grappin, il faut aller le plus loin possible. Vous avez 3 vies et vous avez des pouvoirs que vous pouvez augmenter, double saut, le slide, vous allez voir, c'est super parlant. Et c'est vrai que hashtag matinal, carrément. Mais c'est vrai que ça pourrait être cool, ça pourrait vraiment être sympa de se faire ces petits lives. Moi, je sais pas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais faut que je relive plus souvent. Parce que c'est vrai qu'on voit que l'audience qui tombe sur Twitch. Mais c'est normal, je live plus. Donc forcément, les gens viennent moins. Alors, ce petit jeu, on n'a pas besoin de la manette. Parce que ça ne se joue pas à la manette, mais bien au clavier. Tac, tac, tac. Gamepad, on l'enlève. Voilà, fantôme. On va enlever la musique, ça sert à rien. Et on va faire un petit commencer. Je commence direct, hein, pas besoin d'attendre ou quoi que ce soit. Donc vous allez voir, c'est super parlant. Normalement, au niveau de la TA, je peux me mettre à droite, ça va pas poser de soucis. Ouais, si je me mets là, normalement, ça pose pas de soucis. Du coup, c'est en vue première personne. Normalement, c'est assez fluide. Ouais, c'est nickel. Par contre, je suis à fond niveau carte graphique, ça va pas le faire. On va baisser un peu les graphismes. Alors, graphisme, qu'est-ce qu'on peut descendre un peu. Champ de vision, ouais. Limite IPS, ouais. Synchro, non. Flou cinétique, ouais. Ouais, les informations non. On va mettre plutôt en élevé, je pense. Ça devrait être mieux. Appliquer ces paramètres. Conserver. Est-ce que c'est mieux là niveau? Ouais, c'est mieux, je suis descendu à 70%. C'est nickel. Du coup, voilà. Donc, alors, l'idée, c'est de prendre ici. Vous avez différents grappins. Enfin, c'est des fouets. Donc, c'est vraiment à la Indiana Jones. Hein, vraiment, vraiment. Vous en avez différents. Lui, il fait quoi? La moitié d'un cœur est soignée au début de chaque étage. Ah, c'est pas mal ça. Parce qu'en gros, vous allez voir, j'ai 3 cœurs. Je peux les augmenter. Et il faut réussir à aller le plus loin possible. Mais moi, ce que j'aime bien, c'est celui-là qui donne des pièces supplémentaires pour payer des améliorations. On est parti, donc vous allez voir, c'est très rapide, très intense, mais c'est cool, je trouve que pour les petits lives, c'est vraiment sympa. Ça passe vraiment bien en live, donc on verra bien. J'ai découvert ça grâce à Naito, donc merci à lui, et c'est vrai que c'est un bon petit jeu. Mon chien dort là, Supa, mais tu es une émote si tu veux, si tu es sub, n'hésite pas. Et alors j'ai un explorer avec moi, donc en fait on voit un joueur fantôme ici, c'est un joueur qui meurt dans le donjon. C'est des donjons qui sont générés de manière aléatoire, et... L'idée c'est de le finir le plus vite possible et avec le grappin du coup vous pouvez vous accrocher hop, pour avancer et accrocher au mur etc. Voilà. La spécificité de mon grappin comme je vous disais, moi c'est qu'il me rapporte plus d'argent si j'ouvre les coffres en premier. Il y a des pièges aussi, attention il y a des trucs qui tombent. Et le but bah, c'est de pas mourir, vous avez les vies en haut à gauche, vous avez mon nombre de pièces qui est à 148 qui va augmenter normalement quand je vais faire ça. Voilà. Et vous verrez que les pièces me permettent d'acheter des améliorations. Tout simplement, hop. Au début, c'est assez facile. Le but est juste d'ouvrir un maximum de coffres sans perdre de vie bêtement pour avoir un maximum d'argent pour acheter des améliorations. Tout simplement. On peut slide comme je vous disais. Hop, glisser. Là, ce qu'on va faire, hop, normalement. Non, un peu court. Ah, je voulais voir parce que normalement, je crois qu'on peut ouvrir les coffres en tapant dessus. Hein? Ok, je sais pas. Typiquement là je pourrais continuer par là, mais si je veux je peux aussi passer hop par là-haut pour aller un peu plus vite, prendre des raccourcis etc. Et voilà, le but c'est d'aller le plus loin possible. Sans vraiment, il n'y a pas vraiment de question de vitesse là au début. Juste moi je me dépêche parce que je veux avoir un maximum de coffres avant l'autre pour avoir un maximum de pièces. Donc moi ça me rapporte 50% de plus. Aïe, j'ai perdu de la vie bêtement à cause de ce piège. Voilà.
Mais ouais, le but c'est d'avancer le plus vite possible et j'ai perdu une vie bêtement. C'est pas très grave. Là on a une porte là-bas et pour l'ouvrir il faut la clé qui est là tout simplement. Donc on va y aller tranquillement. Hop là, easy. Là c'est facile. Y a pas de souci à ce niveau-là. Hop, on va avancer comme ça. Non, je perds de la vie trop bêtement. Je perds des vies trop bêtement. C'est pas grave, c'est la première partie de la journée. On n'ira pas très loin au pire. C'est pas la fin du monde. Là j'ai perdu 2 cœurs bêtement. À 3 cœurs on meurt et on perd notre grappin tout simplement. On a différentes entrées, mais bah écoutez, on va partir par là. Hop, pour sauter au-dessus. Pour éviter de se faire couper. Merci. C'est passé. Parfait. On a un deuxième, la sortie par là, donc on va y aller direct. Hop. C'est passé. Et là on arrive du coup à la fin de la première étape où on peut acheter des comment ils appellent ça, des bénédictions justement avec les pièces qu'on a là-haut. On voit que j'ai plus qu'un seul cœur, donc attention. Il me propose soit de me soigner, soit au lieu de prendre des dégâts de chute, on gagnera de la santé. Non, je vais soigner plutôt parce que l'aléatoire c'est vraiment aléatoire pour le coup. J'ai pas mal de pièces donc on peut encore en acheter une autre en plus. Fouet plus rapide ou ouais, saut chargé. J'aime pas trop le saut chargé. On va prendre le fouet plus rapide. Les améliorations ne sont pas terribles. Je pense que je m'arrêterai à la première étape du donjon pour ressortir et recommencer en arrière. Parce que là on n'a pas des trucs fou fou fou. Maintenant on a un boss qui va être derrière nous, qui se déplace à 3 mètres par seconde. Autant vous dire que c'est ultra large. Et qu'on est plutôt quoi. Le jeu c'est Phantom Abyss. Tu l'as juste en dessous de la vidéo. Enfin en dessous du live. Le fantôme est toujours avec moi, il est pas mort dans la première étape. Ok. Et là on peut acheter un raccourci si on veut, mais moi je prends jamais les raccourcis parce qu'autant aller chercher les petits coffres qu'on peut en avoir. Hop, il y en a un là-bas. Il va être avant moi du coup sur le coffre, c'est pas grave. On va le rattraper. Hop. S'accélérer un peu. De toute façon, j'ai un grappin plus rapide que lui normalement maintenant. Oui, aussi, vous pouvez avoir un effet vomitif hein, parce qu'on peut faire des roulades, mais ça c'est vomitif. C'est pour pas avoir de dégâts de chute en fait. Non, y'a rien, on avance. D'ailleurs, vous pouvez voir le méchant qui est là, hein, qui avance derrière moi. Hop, merci. C'est pratique, c'est vrai qu'avec le fouet, c'est pas mal pour les ouvrir. Là normalement je peux pas mal le doubler en passant par ici. Nice. C'est un peu, il y a un esprit de speedrun dedans. Même s'il n'y a pas besoin de speedrunner. Ah le buff, il est là. On n'a pas vraiment non plus besoin de rusher plus que ça. Faut juste en fait plus prendre son temps pour éviter de prendre des dégâts bêtement en fait, comme j'ai fait en début de partie. You after dream, you at one Enzo. You vois ce qui arrive. Il est déjà passé là lui. Et donc il est rapide. Il lui des coffres. De toute façon, moi je prends un maximum de coffres pour vraiment avoir un maximum de points et de vie après. De toute façon, là le boss il est plutôt easy au début. Donc autant aller chercher les points. Hop. On peut pas faire 2 crochets à la suite. Oui, il se rapproche. Donc il faut bien gérer ses crochets pour pas prendre des dégâts bêtement. Non, je peux pas y aller là. On va passer par là. Hop là. J'ai l'impression que j'ai eu tous les coffres. Wow, wow, wow. Aïe. Aïe, aïe, aïe. J'ai plus. Ok, on va avancer. Merci, monsieur. Avançons un peu, parce qu'il nous rattrape un peu. C'est bon, j'ai fini la première partie. Une autre partie. On va pouvoir acheter une bénédiction. Qu'est-ce qu'on a? Portée de feu augmentée. Ils sont vraiment nuls les améliorations que j'ai là. Oui, sur la chaîne série, je vais faire un épisode, je voulais en faire un demain, mais j'ai pas assez avancé, donc sans doute la semaine prochaine. Hop là, et on avance. Donc là, il accélère, il va à 3,25 mètres seconde. C'est large, hein. Franchement, ce boss-là, je trouve que c'est le plus simple des boss, il y a différents boss. Et je trouve que c'est le plus simple. Il est toujours là, lui. Il est allé loin, quand même, dans le donjon. Let's go, du coup. Hop. Hop, hop, hop. On avance. Je
J'essaie de voir s'il n'y a pas des pièces cachées à des endroits. Parce que des fois, il y a des pièces cachées. Voilà, s'il vous plaît, tirez, allez. Ouh, wow, j'ai plus qu'une vie, donc faut que je fasse gaffe. Hein. Ça peut vite partir. Puis il a speedrun le mec devant. Hein. Sachant que ce n'est pas. Je suis pas obligé de le battre. Hein. Parce que c'est un fantôme, donc c'est un mec qui est mort dans le donjon. Donc il suffit juste de. Bah, de pas mourir, nous. Simplement. Le problème, c'est qu'il m'a pris tous mes coffres. Et du coup, forcément, on gagne moins de points. Parce que monsieur a déjà pris tous les coffres. Hop. Hop. Ah, là, par contre, il est pas passé là-haut. Là, il y a des pièces cachées à des endroits. Et hop là. Et ce coffre, il ne l'a pas eu. Le problème de ces coffres-là, c'est que pour redescendre, c'est assez chiant. Il faut faire des roulades au bon moment. Hop. Bon, là, ça, c'est facile à passer, ce truc-là. Pour être sûr, pareil, il est pas là là-haut. On va y aller. Il y a une petite salle cachée à des endroits comme ça. Le boss est assez loin là, on a le temps. Non, je voulais descendre. Et voilà, j'ai pris un dégât de chute typiquement là. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les salles en hauteur. Où souvent je prends un truc pour limiter les dégâts de chute. Hop, on va descendre par là. Parce que là, si je reprends un dégât de chute, je suis juste mort. Et ça sera bête de perdre le donjon sur des dégâts de chute, clairement. Là, c'est juste de la lumière. De... Ah non, il y a un coffre. C'est bien qu'ils prennent pas ces coffres-là, ça me laisse pas mal de chance d'avoir les coffres. On va faire comme ça, peut-être. Hop, voilà, me retire. Hop là, nickel. Allez, on avance. Bon, là on peut passer directement là. Hop, petit raccourci, tant qu'à faire. On a pas mal de pièces quand même. Je regarde un peu autour de moi. Non, il n'y en a pas. Hop, d'autres coffres. Il y a monsieur le boss qui arrive. Enfin, le méchant surtout, c'est plus un méchant qu'un boss. Il n'y a pas de coffre ici. Il y en a un là-bas. On peut esquiver les pièges. Et c'est pas mal, je trouve que c'est assez dynamique. C'est assez sympa comme petit jeu. Il y a un coffre là? Non, il n'y a pas de coffre ici. Bon, on peut avancer du coup. Et on arrive à la fin de cette étape. Du coup, là, le boss ne peut plus nous rejoindre. Hein. On est tranquille ici. On peut acheter une nouvelle bénédiction pour 300. Ouais, franchement, j'ai que des bénédictions nulles dans cette partie. Et là, vous avez le choix. Soit vous passez en bas pour arriver à la première étape, pour finir. Soit vous allez en haut et vous allez retomber sur une série de 4 niveaux comme ça. Pour avoir plus de points, plus de bonus. Mais ça se complexifie. Sachant que j'ai pas de cœur, j'ai un cœur et demi. Autant partir directement à la fin pour sauvegarder tout ce que j'ai. Parce que si je meurs dans le donjon, je perds tout, tout simplement. Donc là, on voit la bifurcation. J'avais le choix entre soit à la gauche, soit en bas ou en haut. Enfin, je suis parti en bas pour être tranquille. Là, on a 2 salles. Une salle à gauche, une salle à droite pour valider et finir le petit donjon pour récupérer le totem. On voit que l'autre a choisi la même solution que moi. Hop, on va essayer d'éviter de se prendre des dégâts bêtement. C'est plutôt facile cette partie là. C'est la partie un peu plus simple. Alors, attention à ne pas prendre des dégâts bêtement. Hop, ça suffit. Attends, qui s'active. Oh, j'ai eu peur. Là, typiquement, on pourrait passer au-dessus là. Oui, voilà, nickel. On va passer par là. Yes. Il est déjà passé là, lui, donc il est rapide. C'est vrai que j'ai de la portée avec mon grappin. On va plutôt passer en bas, je pense, pour éviter de se prendre les flèches. C'est le plus chiant à esquiver, les flèches. Bon, là, c'est sûr. Et là, on a le premier bouton à activer. Hop là, le premier brasier à allumer pour ouvrir la porte. Et quand on a ouvert les deux, la porte s'ouvre, on finit le niveau, tout simplement. Hop. On va essayer de se prendre des dégâts bêtement, comme je le disais. Ah, il y a un coffre là-bas. Hop, on va aller chercher. C'est vrai que des fois, il y a des coffres dans ceux-là. Merci. Hop. Comme je vous disais, il suffit de prendre son temps.
Hop là, ça va, zizi. Une petite salle là-haut, on va chercher. Au moins, elle n'a pas pris le coffre. C'est nickel. Bon, des fois, on a des salles comme ça qui ne servent à rien. Il suffit juste de monter. Il y en a un autre là-haut? Oui. On va avoir pas mal de coffres quand même dans celui-là. C'est cool. Dommage qu'on ait des améliorations de nul. Soit à gauche, soit à droite. Allons à gauche. S'il vous plaît, je ne veux pas me faire planter. Et on arrive tranquillement. Hop. Bon, moi je m'embête pas, hein. Moi je passe en haut. Directement. Hop là, et on arrive au dernier bouton que l'on peut activer. Et du coup maintenant on a fini ce petit donjon, enfin la première table du donjon. Et on peut aller directement chercher la récompense. Et ça, on a réussi à avancer, pas mal. Donc voilà, un petit jeu sympa, je trouve que ça pouvait être sympa de le streamer, ça change. Du MX un peu. À quand une vidéo avec Kevin. Faut qu'on aille au stride là, mais lui il est pas mal occupé avec les sponsors en ce moment. Du coup mais on doit aller au strat pour stride pour essayer le dirt. Pour que j'essaye moi. Voir si ça me plaît si j'en achète un. Mais c'est prévu. Hop là. Pas mal le grappin l'on nous portait aussi. Et hop là, on récupère la relique. C'est validé. Et à chaque fois, c'est des donjons générés aléatoirement, procéduralement, et du coup, on n'aura jamais le même niveau. Merci. Doublon de relique. Ah, justement, je me posais la question comment on faisait quand on avait des doublons. Là, l'avantage, c'est que j'ai gardé mon grappin, et du coup, on peut commencer. Ouais, il est vraiment cool, le petit jeu. Je le trouvais sympa. Je me dis pourquoi pas vous le stream. Hop là, et on y retourne dans un temple, et on enchaîne. Et ça qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de temps mort, t'enchaînes. Le jeu est encore en développement, c'est une bêta ouverte. Et du coup il est encore en développement, il y a encore des trucs qui vont arriver. On pourra jouer à plusieurs et tout après, c'est sympa. Là typiquement on a 7 explorers qui sont arrivés ici, donc c'est pas bon pour moi parce que ils vont mourir tous mes coffres avant moi. Autant vous dire qu'il faut que je speed run. J'ai eu pas mal d'argent quand même, ça va. Parce qu'en fait, vu que moi mon truc c'est d'avoir plus d'argent quand je les ouvre en premier. Bah il faut que je les ouvre assez rapidement. Hop. Là on va passer là-haut. Voilà, nickel. On a eu des aventuriers qui sont venus mais qui n'ouvrent pas les coffres. Donc ça c'est cool. Donc on va pouvoir se choper des petits coffres. Là il y avait un coffre? Oui. Bon alors c'est nous qui avons pas mal spiné dans le début? Je sais pas. I don't know. Hop là. Merci, ça passe. Wallé. C'était juste. Je prends des risques à chaque fois à passer comme ça. Oh, j'ai fait prendre des dégâts bêtement là. Pas de dégâts bêtes, MX, ouais. On passe par en haut, hop, pour éviter les dégâts là. Là on a pas mal de pièces quand même hein. Pour un début de partie, on est plutôt bien. On va aller là-bas chercher le coffre. Merci. Les clés servent à récupérer mes grappins quand je meurs dans un monde en fait. Hop, on va monter. Aïe. Je peux monter direct là, oui, nickel. Ok, donc on monte pour redescendre. Merci l'utilité. Hop là, c'était risqué là. Non, j'ai oublié de faire la roulade.
Je pensais pas que j'allais prendre des dégâts là-dessus. Bon, j'ai perdu un demi-cœur bêtement. C'est pas grave. Hop, on va passer par là. Faut vraiment faire étape par étape si on veut pas prendre de dégâts. Bêtement. Voilà. Avançons, avançons. Il n'y a rien en dessous. Hop là. Ouh. J'ai fait activer le piège. Du coup, on va prendre cela. Hop. Comme ça. Nickel, merci. Des petits raccourcis, hein. Des fois, ça sert à rien de se prendre la tête, de prendre les chemins. En full grappin, ça passe bien cette salle-là. Premier monde plutôt bien réussi avec 489 pièces. J'espère que j'aurai les belles bénédictions. D'un ignorer les dégâts. Oh, on va prendre ignorer les dégâts. J'aime pas le précharge. Mais c'est quoi, ouais, c'est vraiment Indiana Jones en jeu mobile, j'aime bien. Ah, c'est pas mal ça. Ouais. Et je crois que j'ai pu assez pour prendre une troisième dans ces 250 carrément. Et là, l'avantage, c'est que maintenant j'ai pris un truc où je slide dans les airs. Même si je préfère un double saut ou atterrir la chute, ça évite de prendre des dégâts de chute en fait tout le temps. Mais bon, c'est pas si mal aussi. Ça permet d'aller chercher des points un peu plus loin des fois. Il y a encore beaucoup de monde avec moi. Hop là. L'avantage, c'est que quand il passe avant nous, c'est qu'il nous ouvre les coffres en premier. Hop là. Il nous active les pièges aussi. Alors, cherchons les coffres. Parce que souvent ici, il y a pas mal de coffres. Qu'est-ce qu'ils ont oublié du coup? Non. Bah, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de coffres là. Il y a même aucun coffre. C'est rare. Tac, tac, tac. Merci pour les pièces. Ah là il y en a un caché, c'est sûr. Il y a un petit donjon comme ça, voilà, nickel. Des fois faut faire gaffe, il y a des petits passages comme ça. Hop, pour les coffres cachés. Go 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 go. Là-bas on a plus de coffre. Aïe. J'ai pris des dégâts bêtement. Je pensais que j'allais sauter, ça a pas sauté. C'est pas très grave. Hop là. Ah. Ce monde-là, on peut perdre tellement de temps. Il peut tellement y avoir des coffres partout. Non, 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 non. J'essaie de prendre la hauteur, on sait jamais. Bah, il n'y a pas beaucoup de coffres dans celui-là. Ah, il y en a un qui meurt là. On voit qu'il y a un aventurier qui meurt là. Trailer qui meurt ici. Ah, c'est vrai qu'il y a le méchant. J'ai oublié qu'il y avait méchant. Moi, je prenais mon temps, mais on a le méchant derrière nous. C'est plutôt tranquille. On va pouvoir prendre une petite bénédiction. Peut-être même. Non, on pourra pas en prendre deux parce que la prochaine est à 300. À chaque fois, c'est 50 de plus. Ah, double saut. Ou saut plus lent. On va prendre ça. Ça va éviter tous nos dégâts de chute. En fait, l'avantage, c'est que si j'appuie sur espace, hop, je tombe moins vite, en fait. Ce qui fait que maintenant, je pourrai monter en hauteur et éviter tous les dégâts de chute. Ça, c'est cool. On n'a plus que 3 fantômes avec nous. Côté, il y a quoi? Il y a un balancier. C'est facile à éviter, c'est les balanciers. Je prends rarement des dégâts de chute dessus. Avançons, avançons. Aïe! Pourquoi j'ai glissé? Je vais mourir bêtement, moi. Je le sens bien. Je sens que je vais pas finir ce niveau. Hop là!
Et là, l'avantage maintenant, c'est que je peux amortir ma chute. Hop là. Non. Une fois, c'est chiant. Il s'accroche pas assez haut. Du coup. Allez! Oh. Accroche-toi plus haut! Le boss il arrive! Ah voilà! Enfin! Il eut du mal là! Le coffre était par là! Il y avait un autre coffre plus haut en plus! Plein de coffres plus haut! Pour descendre, ouais, ça va le faire, c'est bon. Heureusement qu'on a l'amorti là, hop, on gagne du temps. On a perdu pas mal de temps, je sais pas, cette salle là, mais c'est pas grave. On a pris un max de pièces, et ça, c'est le principal. Donc on va accélérer un peu là, hop. Et là, par exemple, je préfère comme ça pour aller chercher plus loin. Hop là. Bon, faut pas que je rebégaye sur une salle, hein, sinon ça va être un peu craignos. Là, on passe en dessous. Oula, c'est vraiment là. C'est mission impossible pour tout esquiver là. Et il y a un coffre ici, je vais acheter ça par là. Toi, t'as tiré? Oui, c'est bon, t'as tiré. Là-bas, il y a un coffre, je l'ai vu. Ça va paraître ici, mais ici. Hop là, merci. Aïe, non, je l'ai pas vu qu'il était en donjon opposé. Et voilà, et je suis mort dans le donjon. Et du coup, on perd notre butin, on perd tout, tout ce qu'on a collecté, on l'a perdu. Et il faut même racheter le grappin si on veut le réutiliser. On voit que maintenant il est hop verrouillé, il faut qu'on paye 3 pour le récupérer. Bon, on a 18, on est plutôt large. Mais on va regarder si on n'en a pas d'autres. On a quoi ici? Il fait quoi lui déjà? Un cœur de soigner à chaque adèle. Oh, par contre, vous perdez 2 réceptacles, c'est-à-dire qu'on a qu'un seul, un seul, c'est chaud. Lui, ouais, c'est chaud pour faire tomber les pièces dedans, j'ai jamais réussi. Lui, c'est un fou ordinaire. Non, j'aurais gardé le même que moi. Celui que j'avais, je l'ai mis en lui. Des fois en plus on tombe dans les donjons où personne ne les a fait, et ça c'est trop cool. Parce que du coup on peut prendre tout notre temps qu'on veut, et on a tous les x2 et on a masse d'argent. Quatre explorateurs sont morts ici, ok. Bon, on va speedrun un peu. Je sais pas si ça me les compte en, comme en ouvert en premier. J'ai pas mal d'avance sur les autres. Hop là, on évite les pièges, c'est nickel. Bah ouais, on a pas mal d'avance sur les autres, c'est nickel. J'ai besoin de descendre pour les ouvrir. Hop. Merci. Du coup, là en bas, j'imagine qu'il y en a un autre. On va sauter là pour avoir des dégâts de chute. Souvent, il y en a un là, ici. Il y a des salles qu'on reconnaît quand même à force. Je peux pas l'avoir.
Hop là. Merci pour le coffre. Merci pour le coffre. Il n'y a pas d'autre coffre, ok. Avançons, bon ça c'est facile. Parce que les trucs qui tombent. Ils m'ont fait peur. Ah, je sais pas, oui, je pense que j'aurais pu sauter directement à l'autre. Mais bon, autant passer comme ça des fois. Ça va, on n'est pas non plus tombé sur les fantômes les plus intelligents. Ils sont assez simples à battre. Être devant eux. Parce que c'est pas vraiment la question de les battre, je pourrais être derrière. Ça poserait pas de soucis. C'est juste que je veux les coffres en premier en fait. Ok, lui est carrément payé le raccourci. Moi je l'ai payé jamais, ça sert à rien. Là on est très bien, 564 pièces. Pour le premier niveau, on est plutôt très très bien. Alors. Ah, chuter lentement. Ça je prends, nice, on va plus prendre de dégâts de chute comme ça. C'est nickel. Un récepteur de cœur, nickel, là on est bien. Voilà, là on est pas mal. Je vais chercher de l'eau juste en attendant, je reviens. C'est enfin une run qui s'annonce bien là. Avec un réceptacle de plus, on a eu les bonus qu'on voulait. Pour le moment, c'est un très bon début de partie. On n'a pris aucun dégât sur la première salle. Donc c'est plutôt bien. On va essayer de continuer comme ça. Et pourquoi pas aller dans les catacombes, ce qu'ils appellent, c'est le deuxième niveau. Si on refuse de prendre la première relique et qu'on continue. On est encore nombreux. Là, tout à l'heure j'ai pris des dégâts juste bêtement. Voilà, donc on va éviter de les prendre. Hop, nickel. Ça on s'en fiche, on passe en dessous en slide de toute façon. Hop là. Non, je suis pas assez haut. Voilà, je suis assez haut. Pas d'autre salle, y a pas d'autre salle. Et là l'avantage maintenant c'est que je peux faire pour amortir. Non, faut que je descende. On passe les deux en dessous. Là il y a une salle en haut. Ah non, les gens je passe en haut, ok. Le boss qui arrive. Pas de soucis, vas-y, viens monsieur le boss. Y'a rien parce que des fois il y a des salles en contrebas aussi, faut faire gaffe. Et moi vu ce que je veux c'est de l'air jeun. Faut que je fasse tous les coffres que je peux trouver là, type moyen. Une et une en haut. Hop là. Bon, ça a déjà été ouvert, mais bon, c'est toujours ça de prix. J'en profite, hein, vu que j'ai l'atténueur de chute. Autant en profiter pour aller chercher tous les. Ah, là, il y en a une en là. Ouais. Ça rentre pour remonter là. Que ça va être compliqué, je pense qu'on va descendre ici, hop, monter là, aïe, aïe, le coffre du malheur, j'ai pris tellement de dégâts cette partie, voilà,
Ah, j'ai tellement morflé. Et j'imagine que Ina. Il n'y a pas d'autre. Oula! Je t'avais oublié, toi. La sortie là-haut. Hop là, il suffit juste de le distancer un peu des fois, de prendre un peu de vitesse et. Ça passe. Il y a encore une salle là-haut. Je pense que je l'aurai pas. C'est pas grave. Évitons cette salle. À la fin du monde, ça n'a pas non plus 100% des coffres. Ce coffre n'a pas. Oui, il a été ouvert. Bonjour, monsieur. Je ne fais que te passer, merci. Là, il y en a un, merci. Oh, je suis deg d'avoir pris les dégâts bêtement là, la partie juste avant. Là, il y a un coffre, hein? Oui. C'est sûr. Le problème de cela, c'est qu'il faut avoir assez d'avance que le boss, vu qu'il revient vers nous, à chaque fois, on peut vite se faire toucher. Aïe! Le grappin a une latence, je peux prendre des dégâts, mais tellement bêtement là, c'est ouf. Le slide qui s'arrête quand la lame arrive au-dessus. Ah, c'est con, cette partie était bien entamée là et j'ai fait n'importe quoi. Il y a des petits pièges que j'ai du mal à passer des fois, typiquement celui-là qui tourne. Peut-être qu'il faudrait que je m'arrête pour sauter au-dessus de la lame et reprendre. Ouais, il faudrait que je fasse comme ça, je pense, un petit demi-tour. Ah, c'est bête, on est vraiment bien commencé. Bon, alors on enchaîne. Yo, Drinks, bah ça va très bien toi. Comment tu vas? Et personne n'a fait. Donc là, on est tranquille. On va avoir plein de pièces. On peut prendre notre temps pour tout découvrir parce qu'on est solo. On n'a pas de fantôme contre nous. Donc c'est bien ça. C'est cool. C'est le meilleur donjon. En fait, c'est que c'est un donjon qui a été généré aléatoirement et qui a jamais été généré avant. On est les premiers à rentrer dedans. Donc c'est cool. On a tout notre time pour le découvrir tranquillement. Après, on peut speedrun pour faire chier les autres joueurs qui vont avoir notre fantôme aussi. C'est ça l'avantage. C'est si on veut speedrun, on peut speedrun. Ouh, c'était limite. Ça, c'est très limite par contre. Quoi? Non! Ils sont enlevés sous mes pieds! Oh, je suis deg. Oh, on peut reprendre super loin du coup. Ah non, j'ai commencé. Bah non, en fait. Prends l'autre sens. Le truc qui s'est enlevé sous mes pieds, quoi. Aucun respect. On va aller trop vite. Bon, vas-y, partez. Hop là. Hop là, voilà. Du coup, j'ai plus de pièces. Oh, mauvais départ, mauvais départ. Moi, je le dis, je l'annonce, c'est un mauvais départ. S'il vous plaît, on veut des pièces. Des pièces. C'est rare que je meure dans des pièges comme ça, mais bon, ça arrive. Souvent, c'est que je vais aller trop vite et je me prends des pièges à la con comme ça, en fait. Petite salle cachée, nice. Petit coffre. Je préfère les salles en contrebas parce qu'on peut pas forcément des dégâts de chute du coup. Non, c'est pas là qu'il fallait aller. Encore une salle en contrebas, nickel. Rattrapons un peu les pièces que je n'ai pas.
J'ai pas besoin d'être super proche hein, du coffre, hein. Je les récupère quand même les trucs même si je suis loin. Hop là, on esquive l'autre. Il faut aller chercher le bouton pour l'activer. J'aime pas ça les rouleaux, mais bon. Ouais, c'est bon, c'est passé. Ça va quand même avoir pas mal de pièces, mais on aurait pu en avoir tellement. Ça, c'est... Oh, j'ai peur. C'est pas où qu'il faut aller, c'est pas là. Pour le moment, on a eu deux fois le même boss. Il n'y a que des coffres x2 là, par contre, c'est bien, ça compense. Ah, et celui-là, il faut aller là. Pour avoir. Des fois, je suis perdu, je sais plus dans quel sens aller. Oh, elle était bien cachée cette pièce, hein. Je n'ai jamais vu d'aussi bien cachée. Allez, on peut speedrun. Bon, on a quand même pas mal de pièces, hein. On aurait pu en avoir tellement plus. Ah, qu'est-ce qu'on va avoir? Chuter lentement, nice, je prends. Réceptacle de cœur, ok, ça compense. Même si c'est quasi impossible de récupérer de la vie, hein. C'est vraiment hyper aléatoire. Enfin, faut payer quoi. Mais il faut que je teste quand même le truc pour prendre des dégâts au lieu de. Ouais, après, ça va être, je sais pas. Vu qu'on n'a pas les pourcentages, c'est compliqué de savoir. À chaque fois, je tombe le mieux à côté. Olé, ça fait un truc bizarre. On vient de par là. Tout. Prenons le temps. Ouh, wow. Là-haut. Alors. Monsieur est derrière ou pas? Monsieur est pas derrière. Cherchons les petits coffres. Il n'y a pas l'air d'en avoir là. Non, là-haut normalement, ouais. Des fois dans des salles comme ça, il n'a quasiment pas de coffre. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup là. Aïe! J'ai glissé! Ah, c'est rageant! Il y a une inertie sur. J'ai pas réussi à me mettre sur le plot en fait. J'ai perdu deux cœurs au même obstacle. Bon. Cette partie s'annonce. Compliqué. Je vois rien, y'a pas d'obstacle, y'a rien. Il y a un coffre. C'est vrai que j'ai l'atténueur de chute. Sans en profiter. Prenez risque là. Et je veux des pièces. Merci. C'était chaud. Sur la montée, on l'a pas mal distance. H. On a essayé.
Un peu pour que je l'ai celui-là. Allez. Non. Je pense que je ne l'aurai pas. C'est pas grave, avance encore. Il faut y en a qui sont un peu haut. Là par contre la sortie va être compliquée. Hop, ça passe. Olé. Bon, autant vous dire qu'on n'a pas beaucoup de cœur. Un peu plus rapide. J'ai peut-être dû prendre ignorer les dégâts. C'est fou, on a tout le temps le même boss depuis tout à l'heure. C'est vraiment, il y a différents boss. Il y en a un qui lance des grenades fumigènes et il y en a un autre qui tire des rayons. Et je crois que c'est tout. On peut en prendre une d'ailleurs. Ah, c'est d'argent. Ah oui, un réceptacle. C'est cool, on n'a pas pris les dégâts, on a vraiment fait une belle partie. On a eu 5 réceptacles là. On a pris que des dégâts vêtements en fait depuis tout à l'heure. Y'a rien. Est-ce qu'il y a un truc là? Non. Salut Marino, salut salut. Hop, et on descend. Et là, il y a une salle, mais je pense que j'arriverai pas à l'atteindre pareil. Elle doit être un peu haute. On peut pas forcément atteindre toutes les salles. Ah oui, celle-là, j'ai réussi. C'est vraiment au pixel perfect, quoi. Ok, ça s'en va comme ça. Dérobé sous mes pieds. J'aime pas du tout les fléchettes là. Normalement là on est à peu près tranquille. Non! Putain! Je perds toutes mes vies bêtement! Je vais être trop rapide! Voilà. Je suis de faire en deux fois, Mixway. Salut, Jules. Oh. Ça peut être tellement. Ça aurait tellement pu être une belle partie. Mais avec un cœur, autant vous dire que je vais pas tenter le reste. Hein. Je peux attraper là. Oui, je peux. Merci beaucoup, toi, Jules, pour le follow. Merci beaucoup. Tant pis, on va ramener les tout à la maison. Qu'est-ce qu'il va me proposer lui pour 350? Ouais, soigner un cœur, mais c'est bon. Vraiment histoire. Là, en fait, j'aurais pu aller tout droit. Je peux aller par là, en fait, si je veux. Pour avoir un monde plus compliqué, sauf que là, j'ai carrément plus de cœur, quoi. J'ai trop mal joué. C'est Phantom Abyss, c'est un petit Indiana Jones, en fait, avec des obstacles et tout. Ouais, par contre, les deux bottes d'affilée là. Non, merci. Continuez. Bah, du coup, on va chercher la relique, on n'avancera pas là. Dommage, on avait un bon setup là. C'était plutôt bien monté. On a eu de la chance sur les bénédictions qu'on avait eues. Mais tant pis. Oui, c'est vrai. Hop, on va partir par là. Hop là. Bon, du coup, profite en temps pour essayer de ramener un maximum de pièces à la maison. Non, je suis trop bas là, c'est sûr. J'avais à l'attraper plus haut en fait. Voilà, comme ça. Par là. Youhou.
c'est un truc là. Oh là, j'ai touché. Première porte déverrouillée, on va aller chercher la deuxième. Trop bas. C'est vraiment une question... là, non, je pensais que je l'aurais eu là. Oui. Pas d'autres passages, j'ai fait des passages cachés pour avoir plus de coffres. Toujours plus de coffres. Et oh, d'ailleurs, on peut slide en dessous. On va être directement à distance, hein. Pas qu'à faire. Là, je touche à un moment, j'arrive en haut. Ok, d'accord. Bon, je vais peut-être arrêter un coffre, c'est pas la fin du monde. Derrière moi, c'est ça, ouais. J'aime bien la musique qui s'énerve. Parce que le monsieur est derrière toi. On va quand même le tenter. Oui, j'ai du premier coup. Nice. Parfait. On a pas mal de pièces quand même, hein. Mais bon, ça sert plus à rien d'avoir beaucoup de pièces à la fin là. Parce que je vais récupérer les clés. J'ai un plus beau GG que ça, Counter, hein, FX. Est-ce qu'il est pas plus beau ce GG? Si j'arrive à vous le mettre. Il est quand même plus beau dans ce GG. Les petites clés gratuites pas chères, merci. Je sais pas si c'est possible de mourir dans ce dans la fin là. Relique obtenue. Du coup, il suffit de claquer ton prime ici, Counter, pour avoir ce petit GG enflammé. Quand même cool les petites émotes animées sur Twitch. Bon, on n'est pas si mal pour le moment. On n'a pas fait des mauvaises parties, mais bon, c'est pas non plus fou. On aurait pu aller beaucoup plus loin, je pense. Ouais, ça fait peu de temps que j'ai démarré le jeu. Je dois avoir 4 heures de jeu à peu près. J'ai pas beaucoup de jeux. Merci beaucoup pour ton follow. Merci. Allez, on enchaîne.
Essayons au moins d'aller dans la catacombe, au moins une fois, quoi. Faut pas qu'on prenne de dégâts en fait dans toute la première zone. Jusqu'à la bifurcation. On a un explorer ici, ok. Ça va, contre un fantôme, ça passe. La question que je me pose, c'est est-ce que je peux les taper d'ici? Oui, ok, donc c'est beaucoup plus rapide, forcément. Oh, puis il est lent. C'est nickel, parfait, on est tombé sur l'explorer. Nickel. C'est comme s'il n'était pas là. Hop. Hop. Attention, pas de dégâts de, chute. Merci. Hop. Oh bah il est mort là. Ok, nickel. Normalement on va voir son fantôme mourir du coup. Il est lent. Bien monsieur le fantôme. En fait c'est comme s'il était pas là, du coup je peux prendre mon temps. Mais ouais, il est vraiment cool. Après, c'est original, j'irai pas jusqu'à là, mais c'est un petit remake d'Indiana Jones et c'est vraiment cool. Le fait que tout soit généré procéduralement et tout, c'est vraiment sympa. Il y a un petit côté speedrun, côté dynamique que j'aime bien. Et c'est vrai que tu peux y jouer pendant des heures et c'est pas répétitif quoi. C'est un peu frustrant parce que t'as envie d'aller plus loin à chaque fois. Souvent, tu prends des dégâts bêtement dessus. Mais du coup, c'est cool. Non, faut pas descendre ici. T'as envie en fait d'aller plus loin, tu sais que tu peux aller plus loin, faut juste que tu te concentres, mais à chaque fois tu prends des dégâts bêtement quoi. Tu perds des points de vie, mais là où t'aurais pas dû en perdre quoi. On va prendre comme ça, hop, on active ça du coup, comme ça, hop, nickel. Qu'un seul joueur qui finit. Oh ouais, pff, ça je suis pas sûr. C'est parce que tu joues contre des fantômes, à mon avis, c'est dans le speech. Non, j'ai oublié que j'avais pas de truc. Ah. Comment perdre un niqueur bêtement. Je l'ai, c'est bon. C'est vrai qu'on n'a pas passé la première bénédiction. C'est passé. Ces trucs-là, j'aime pas ça. Là, non. Je les aime pas, ceux-là, là, les grandes lames. Voilà. Je les déteste, ces pièges. J'ai perdu trop de cœur bêtement dans cette salle. Ah, il y a un coffre là. Et là, il faut la clé qui est là-bas. Les rouleaux, je les aime pas non plus. Hop là. Bon, ben c'est là. Oh, hop là. Merci Ange Groot pour ton follow. Merci toi. Faut prendre les lames de face en passant par à droite, c'est plus simple. Ah ouais. Ouais, j'avoue. Ah, je savais pas qu'on pouvait stopper les petites lames. Bah, j'apprends. Merci Counter. Merci beaucoup. Alors, double saut, chuter lentement, je le prends. Et je crois que j'ai pas assez pour l'autre après. Ah, genre un chouïa après quoi, à 6. Bon, pas un bon start non plus là. Y'a pas que les petites lames. Ok, bah je vais essayer de comprendre un peu. C'est vrai que j'ai pas le réflexe de taper sur les fouets. Sur les pièges plutôt. Et je vais essayer, du coup. Ah, peut-être que les fléchettes aussi, tu peux peut-être les arrêter du coup. Ouais, faut que je regarde. Alors, tout là on chute. Tout là, oh. J'ai jamais eu cette salle. Première fois que je l'ai. Il y avait un trou entre les deux. C'est rien fourbe, tu le vois pas. Il y avait un fucking trou ici. C'est rien fourbe. Bon, cette salle, c'est facile d'éviter les pièges, il suffit de rester sur les murs. Ah bah, un nouveau boss.
utiliser celui qui envoie de la purée de pois. Bon, il est assez simple ce boss aussi, il est pas trop complexe. Je me suis jamais fait trop avoir. Ça a rien fait que j'ai tapé dessus. Tu vois, j'ai découvert ce matin qu'en tapant avec le fouet sur les coffres, tu peux les ouvrir. Bon, j'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Hein. Donc ceux-là, tu dis que je... Ah, putain. Putain, c'est vrai que c'est pratique du coup. Sauf quand on tombe à côté. On va éviter d'un... On viendra après. Le plus loin que je suis allé, c'est en seconde zone, jusqu'à deux doigts d'avoir la réplique suivante. Oh, dur. Yes. Ah putain, il est là comme putain, c'est... J'ai bien fait d'y aller, c'est une grande zone, mais non. Je manie le grappin comme Jaja. Zone finie avec un demi-cœur. Autant vous dire que je vais me soigner si je peux me soigner. Je vais prendre jamais des dégâts dessus. Après, je peux. C'est une chance d'ignorer les dégâts, je pense. Mais pas ouf là, les trucs que j'ai. Pourtant, j'aime pas trop les passifs. Non, 5 bombes. Yes, ça passe. Du coup. Par contre, je passe comment là? Si je vais là-dedans, je prends des dégâts quoi, en gros. Ah, voilà. Ah! J'aurais dû taper. J'ai repris des dégâts bêtement. Je fais nimp. Je suis pas dans ma partie là. Vas-y, ouvre et tout. Vas-y, je passe là. Ouais, mais il est marrant, je peux pas passer. Ah bah là tes pièges ils servent un peu à rien. Moi j'ai jamais eu cette zone. Non, ça fait rien sur la table ici. Y'a un coffre là, c'est sûr, non? Même pas. On peut passer par là par contre. Il y a un autre là. Ah, il faut la clé. Ok, elle est là-bas. Allons chercher la clé. Ah oui, j'ai l'impression que je peux taper dessus parce qu'il me disait... J'ai le marqueur comme si je peux taper dessus. Thank you.
Il est chaud à atteindre lui si t'as pas de bonus. Direct dans le trou de l'autre. C'est rare d'avoir les deux en même temps, si là, en bas et en haut. Tant mieux, je prends. Je prends, j'aime bien les pièces bonus. Ça, c'est facilité. Hop. Oh, bonjour, c'est bon, toi, t'es pas vu. On est pas mal. Est-ce qu'on va pouvoir en acheter qu'une seule? Ou il y a cette attaque de cœur carrément. Pareil encore, on ira pas dans les catacombes. Moi je veux finir là. Ouais, je sais que des fois il y a des trous avec d'autres coffres. Ça, je sais que tu peux aller à plusieurs étages. Je l'ai fait la dernière fois avec, bah, en début de live, avec le boss qui te suit. Autant vous te dire que descendre de ça, c'est chaud. Bon, malheureusement, on aura fait que des... On peut le dire, hein, la petite bite. À pas aller chercher plus loin. Bon, ça s'activait pas. J'ai pas besoin de 3 heures non plus. Ouais, celui qui tire les lasers, c'est le pire. Je trouve que moi, le plus simple, c'est celui qui te suit, je trouve. Ok, vas-y, tire des trucs. Non, j'arrive pas à la voir. Ah oui, peut-être. Oui. Des fois, là, t'as un trou, en fait, t'as un côté où t'as pas de statue, tu peux passer. C'est là, on va prendre le risque. C'est une pièce. Aïe, 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 aïe. Cours, cours, cours. Je peux pas faire grand chose là. Il veut pas s'accrocher. Oh. Cette mort à la noix. Je suis mort trop bêtement. Bon allez, celle-ci c'est la bonne, on va dans les catacombes. Oh mais cette mort débile, hein, laisse tomber. On va être riche, personne n'est venu. Nickel. Celle-là on peut pas la désactiver. En fait, c'est quand il y a le grappin qui change la cible. Mais non. Attends, on va s'entraîner là-dessus. Ah, c'est plutôt l'autre côté. Non. Il n'y a pas de coffre, sérieusement, depuis tout à l'heure? On peut pas les activer ce truc là. Ah, enfin des coffres. Merci, en plus tu me donnes masse coffre. Et puis en dessous en plus. Ah oui, j'ai pas la chute, donc je me rappelle. J'ai pas des dégâts bêtement à cause de ça. Tout ça pour des coffres? Bah, ah non, faut la clé. C'était beau, trop beau. ...216, on peut mieux faire encore. Des coffres, des petits coffres. Je pense qu'on peut l'avoir depuis l'autre côté, celui-là.
patron. On va monter, vraiment, faut faire gaffe à la descente, hein. Ça va être... hardcore. Yes, c'est passé. J'ai mis cette salle. Le petit coffre caché, je le savais. Merci. Ah, il faut se mettre dessus, je pense. Et s'accroupir. Ouais. Première fois que j'ai cette salle. Ça suffit d'aller là. Pas sûr, oui. La descente de lui va être technique. Peut-être que si on se rapproche là. Yes. Non! Wouhou! Cette save! En fait, ça faut se raccrocher en fait quand tu descends. Allez, dis-moi que j'ai des bonnes bénédictions. Double saut, c'est pratique, mais le réceptacle de cœur, c'est quand même pas mal. Ça, je le prends jamais d'habitude, mais bon. J'aurais bien pris les deux du premier, quoi. Mais bon. Oh, les bombes. Le gaz. Ah. On veut un maximum de piècettes. Le boss est pas encore là, donc on a le time là. C'est vrai que c'est plus pratique en arrêtant les trucs. Ah, ça y est, le blabla. Aïe! Je lâche un peu perte de cœur là-dessus. Ouais, dans ce sens-là, j'ai jamais eu. Tout un donjon que j'ai jamais eu là, c'est cool. Bon, là, le plus rapide c'est par là, faut pas chercher à comprendre. What? J'ai oublié les coffres.
face. Fallait sauter. On va voir. J'imagine que là, il y a un truc. Même pas. Genre, il y a une passerelle pour rien. Peut-être que d'étudiants, des fois il y a des coffres. Bonjour, je passe. 514, on est pas mal là. 250, on peut en acheter qu'un seul. J'ai quoi moi déjà? On peut. Ah, je peux savoir. En dessous, lui, c'est carrément mieux. Du coup, j'ai quoi? J'ai ignoré les dégâts et chute à ralenti, c'est ça? Ignore les dégâts et chute ralenti. Ah, mais c'est peut-être grâce à ça que j'ai pas pris de dégâts. À Barracuda? Peut-être. On est plutôt pas mal là. On peut plus prendre de dégâts de chute. On ignore les dégâts, c'est pas mal. On a plutôt un bon start. On essaie de pas le gâcher comme tout à l'heure. Ce serait cool. Allez, encore une partie à passer, puis on pourra aller dans les catacombes. J'imagine que c'est 300 maintenant. Ouais, c'est ça. Non. Du coup, je peux faire comme ça. Hop, parfait. Non, pas assez haut. Yes. Et est-ce que j'ai les 300 là du coup avec ça? Oui, j'ai les 300, nice. Du coup, on peut revenir en arrière pour prendre la bénédiction. Oh, c'est de cœur. Je suis vraiment bien. 5 réceptacles de cœur, je peux plus prendre de dégâts de chute et je suis vraiment bien là. Merci à toi, Zertinox, pour ton prime pour le 4e mois. Merci beaucoup à toi, ça fait plaisir. Merci du soutien. Je suis même très très bien. Non! J'avais oublié de faire coup droit. On a plutôt un bon start là, faut vraiment rester concentré, pas prendre des dégâts bêtement. Pas vouloir se précipiter, ça sert à rien. On a un boss qui est plutôt facile à battre. On va continuer hein. Encore une fois que j'ai de la chance comme ça au début. Ah, là pardon, on devait avoir plusieurs étages là. Hop là. Bon là on va devoir attendre par contre. Vas-y, tire le truc là-haut, moi je m'en fiche. Moi je me casse par là. Wow, je voulais taper dessus à la base. On va attendre du coup. Bonjour. Faut plus revenir. Dieu Zertinox, salut salut. Merci beaucoup pour ton prime, ça fait plaisir. Il y en a tellement de coffres dans cette partie, c'est ouf. Elle est ouf cette partie, moi je vous le dis. Comment je suis censé passer là? Comme ça. Thank you.
Il y a le bouton activé là-haut. Ah non, il y a un coffre là, oui. On a un start de fou là, franchement. Bah, comment ça s'enlève? Ça s'enlève pas, ça, ok. Prends notre temps là, du coup. Deux speedruns de cette partie. Non, je l'ai pas eu. Je veux à tout prix monter là-haut. Non. Allez, monte! Pas compliqué de monter. Je vais prendre des dégâts juste parce que je veux monter, vous allez voir. Mais non. Non, pas assez haut. Franchement, il y a une pente là, du coup, il m'envoie pas les trucs sur moi. Oui, ça y est, putain, enfin. Tout ça pour un coffre. Hein. Et vu que c'est la fin après. Moi là je suis armé comme Jaja et là je suis jamais aussi bien arrivé pour aller dans les catacombes. J'ai ma stune, je suis trop bien. Fouet plus rapide, je prends. Parce que du coup ça sert à rien de flotter dans les airs parce que j'ai mon double saut. Enfin j'ai mon amorti. On est vraiment bien là. On a alors du coup, on a une chance d'éviter des dégâts, on a un fouet plus rapide, un fouet plus long et surtout on chute doucement. Pour amortir les dégâts de chute. Et ça c'est cool, on a 5 réceptacles. Là je peux vous dire que c'est mon meilleur start depuis, depuis que je joue au jeu. Du coup on va dans les catacombes, donc là on se retrouve avec 3 nouvelles salles pour essayer d'avoir plus de reliques. Et autant vous dire que j'ai un très très bon start. On a un boss qui est pas trop compliqué à éviter, ça c'est bien. On peut bien prendre notre temps, faut juste éviter les bombes quoi. C'est pas la fin du monde. Et là, vous voyez qu'il y a 3 nouveaux niveaux, quoi. Et on a personne qui est venu ici. Pareil, toujours. Donc, on est tranquille au niveau des coffres. C'est la richesse assurée. Et là, l'avantage, maintenant, c'est que je peux vraiment faire un grappin de super loin. Ça, c'est trop bien. C'est par là. Je suis venu une seule fois dans cette partie du jeu. Donc autant vous dire que je connais pas trop les pièges. On va essayer de voir ce qu'il y a. Aïe, ça commence bien. Un dégât de chute bêtement. Je pensais pas que je l'aurais pris là-dessus. Ok. En fait, à chaque fois, il y a plusieurs passages différents. Bon, donc, on prend le plus simple. C'est bien, le grappin plus long, ça va m'aider à attaquer les salles qui sont en haut. Ça va être cool. Ouais, je peux pas l'avoir d'ici, je sais pas ce que je me demandais. Deux coffres. Merci, je prends les deux coffres. On a le boss qui est arrivé là. Oh, il y a eux là. Les lance-fléchettes. Bon, c'est pas le plus dur à esquiver. Je pense que pareil, il y a moyen de les esquiver ceux-là en tapant dessus.
je pense. Salut Chloé, salut, salut. Pas de salle secrète. On monte en direct. Merci Spécimen pour ton prime pour le 4e mois aussi. Merci à toi. Merci beaucoup. C'est la journée des 4 mois. Ah, ça fait plaisir. Promis, l'animation change bientôt. Promis, promis. Bonjour. Attendez, je suis redescendu pour aller où là? Il y a un coffre, non? J'imagine. Merci. Il n'y en a pas d'autre. Y'a rien ici? Ah oui. Bah je pense que c'était le chemin en fait. Fallait descendre. Tant mieux. J'ai pas assez merde pour acheter une bénédiction. Je vais pas retourner en arrière, je suis pas fou non plus. Cadeau. Ouais, il est vraiment sympa, il est stressant et tout, il est technique. En fait, c'est des concepts super simples, mais qui rendent le jeu trop dur, quoi. Ouais, la musique est stressante et tout. Non, mais franchement, il est plutôt bien pour un petit jeu en early access, là. Vraiment sympa. Bon, après, il est pas gratuit non plus, hein. Il est assez cher. C'est 450, c'est ça? Ouais, 450. On verra si... On revient, est-ce qu'on trouve un coffre rapidement? Ce serait cool. Des pièces. Est-ce qu'on va avoir 450? Je pense pas. 430. Bonjour, je voudrais un coffre. Ça, c'est les pires pièges avec lui là qui lance sa purée de peau à ce moment là. Ah voilà, là il y a du coffre. Là au moins je vais l'avoir facile avec mon long grappin maintenant. Et du coup j'ai assez, j'imagine. Oui. Ah, il va y avoir un coffre là je pense. Je m'attendais pas à des pièges ici. On va les contourner, je vais te dire. Ah, il y en a un autre là-bas. En plus, c'est un gros, lui. Est-ce que je peux revenir en arrière? Oui, je peux revenir en arrière, nice. Clé rare. Bah, c'est vrai, est-ce que c'est... Je l'ai jamais eu. Oui, je reviens beaucoup en arrière. C'est juste que je veux prendre une bénédiction. Soigne 3 cœurs, soigne un cœur. Bah, pff, soigne 3 cœurs, carrément. On a toute notre vie, on est full life, on est plutôt bien. Allez go, on court. Vas-y, lance tes purées de poids ici, moi je m'en fiche. On va faire pareil, on va les éviter sur le côté. Hop. Go. Putain, y'a des trucs qui t'écrasent ici. Non plus être trop gourmand à vouloir prendre tous les coffres. Bon, de toute façon, là, il suffit d'arrêter ici, voilà, sur le bord. Même si on les arrête pas, on prend pas de dégâts. En fait, on peut prendre juste le pont au-dessus, hein. Non, il faut la clé là-bas. C'était chaud là.
Mais bon, on a encore beaucoup de cœurs, donc on est plutôt bien. C'est un peu stressé pour un rien. Hop, on avance. Juste prenons notre temps. Nice. Je pense que je vais pas avoir assez. C'est 550, je crois. 500. Ouais, non, j'ai pas assez. C'est pas grave. Bon, on avance. On arrive dans la dernière partie, je pense. Avant d'attaquer la partie avec les reliques. Il a 8 bombes. Ça commence à faire. Mais bon, pour le moment, ça va. On s'est pas encore pris de dégâts. Ouais, ça. On arrive à la dernière partie. Je pense qu'après, j'irai chercher les reliques. Première fois que je vais aussi loin. Donc. On est plutôt bien. On a vraiment un bon start. Hein. Comme je disais, on a vraiment un build parfait, quoi. Est-ce que ces trucs-là, je peux les arrêter? Je pense pas. Non, c'est un peu lourd pour mon grappin. Vous voyez, tout doux. Voilà, nickel. Ça me prend des dégâts là-dessus. On peut descendre là. Ah, oh là. On va attendre. On peut remonter. Là, j'en ai en arrière. Du coup, j'imagine qu'il faut aller chercher de la clé là-bas. Hop. Marcher là où ça est activé. Parfait. Faut vraiment taper dessus. Non! Non, 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 non. Non. Oh, le jeu qui crache, j'étais trop bien parti. Ah, oh, cette poisse. Non, j'avais le build parfait. Ah. J'imagine que je peux pas reprendre où j'en étais. Putain. Non, j'avais la build parfaite pour finir. Puis c'est considéré comme perdu en plus. Non. Les développeurs, je vais vous taper. Ah. Non, pourquoi? Non. C'est tellement propre ce que je faisais. C'était trop beau. On va rebaisser les graphismes. On... Mais c'est pas mon PC qui a fait ça. Mettre une limite à 100 FPS. Mais non, j'ai tellement le seum. J'étais trop bien parti. Salut MXWay, moi c'est que tu le réponds. J'ai pas compris ton message. Ah, j'ai pas de fantôme, cool aussi. Ça va. Ouais. C'est clippé, on va l'envoyer au développeur, on va se plaindre. Mais il pourrait faire un système de save comme ça quand le jeu crash. Bon, en fait, on revient à un endroit à la dernière salle quoi. Bon, les gens feraient des Alt F4 du coup pour aller avancer plus vite. Mais je suis tellement deg. J'avais la build parfaite. Mais je réponds quasiment à tout le monde sur YouTube. Hein. Du coup là je te réponds aussi. Du coup ton rêve est exaucé.
Ah, oh, j'ai tellement le seum, j'avais une build, mais genre parfaite. Je sais pas ce que t'en penses, Counter, de la build que j'avais, mais je trouvais qu'elle était trop bonne. J'aurais pu tellement aller loin avec ça. J'avais genre 5 réceptacles de cul, c'était trop bien. Tant pis. Pourquoi attendre, on peut passer à côté? Mais ouais, j'allais le faire. Bon allez, c'est pas grave, on a montré qu'on pouvait le faire. On va le refaire. Faut juste être patient. On essaie comme ça, je veux bien plus souvent. Alors là, il y a une clé à aller chercher qui doit être... Pas par là. Il y a un coffre parce qu'on n'a pas encore eu beaucoup de pièces, nous. Donc là, les grosses lames, tu me dis, je peux pas les arrêter, mais faut mieux que je les prenne par la droite. On le prendra au retour. Voilà, je vais avoir une build de merde là. Oh, y'a un. Je les ai jamais vus par ici. La amorti. Là pareil, faut que je le prenne une autre fois. Yeah, non! Je vais être trop rapide! Ah. Ouais, c'est pas grave. Pourquoi il s'est... Deux cœurs sur le même obstacle. Allez, là, c'est bon. Bon, autant vous dire que c'est pas cette partie où je vais aller loin. Ça marche, Hunter. Bon, j'ai pas d'argent, mais bon, je... Ah, je... Deux sauts, je prends. Quand on aura plus les dégâts de chute. Réceptacle. Ça marche, Counter. À la prochaine. Merci d'être passé. Merci beaucoup. Belle journée à toi. 4 bombes, on a encore lui, donc ça va. On n'a pas le meilleur, enfin on n'a pas le pire des... Je pense que c'est même le plus simple des boss. Mais on n'a pas une belle build. On a quand même le double saut. Ciao bébé, je me casse. Ah là. Merci. Ah là mon gars, tu m'empêches de passer. Pas qu'il y ait d'autres coffres cachés. Par où il a sauté? Par là! Quand je vous dis que je vais pas aller loin dans cette partie. Bon voilà. Elle était pas belle cette partie, de toute façon j'avais mal débuté.
Comme quoi, l'amorti de saut est quand même mieux que le double saut. Parce que le double saut, une fois que tu l'as fait, tu peux plus le faire. Que l'amorti de saut, tu peux toujours le faire à n'importe quel moment, quoi. Six explorateurs sont morts ici. Ah, dommage, 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 dommage. Puis, ah, ça, j'ai vu. C'est un bon start, c'est bon. J'aurais pu aller tout droit, ça aurait été plus simple, je pense. On l'a esquivé. Non, c'est la porte là-bas, faut aller là-bas. Ok. Même les actives, merci. Des pièces là, c'est plutôt bien débuté. Est-ce qu'il y a des coffres là-haut? Oui, lui, il est sûr, il l'a pas eu. Lui. Tiens, le premier rush, il prend pas les coffres, c'est bien. C'est bon pour nous, ça. Du coup, on est premier sur les coffres. MXOM, ouais, premier sur les coffres. Tout, 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 tout. On va passer à côté. C'est long par contre quand on passe ici. Laisse moi on met 3 ans. Alors je fais gaffe en descendant parce que j'ai pas de pouvoir pour amortir mes chocs. Je pense que je peux m'approcher au pylône là. Oui, nice. La clé qui est là-bas. J'ai l'impression que je suis premier, je vois pas l'autre qui est passé. Donc je vais être premier sur tous les fantômes, c'est nickel. Ouais, il fait que d'arriver. On a un peu d'avance sur lui, donc c'est nickel. On a tous les coffres en premier là. On se met bien, bien, bien financièrement. Genre tout à l'heure j'ai atteint quasiment avec 800 points, c'est ça? Oula, ça va être compliqué à passer ça. Je vais pas arrêter au bon moment. Cette salle est facile à passer. Bon, on a quand même des pièces mais on n'aura pas pour en prendre beaucoup d'améliorations. Portée du fouet, on va prendre portée du fouet, ça peut toujours servir pour atteindre les salles en haut, et l'autre à amorti. Récepte de cœur ou saut amorti. Oh, réceptacle quand même, c'est trop plus important un réceptacle. On peut se passer des dégâts de chute quoi, on peut réussir à les éviter. A chaque fois ils nous mettent les bombes, c'est nickel, parfait. On a 15 fois le même boss d'affilée mais bon. Et on a quelques fantômes avec nous quand même. Mauvais côté. Mauvais côté. C'est où le coffre? Ah, c'est là. Allez. Ils sont tous descendus du coup. Faudrait qu'on prenne un peu d'avance sur eux. Ça serait pas mal. Apparemment, la personne est montée.
Attention aux dégâts de chute, nickel. J'ai l'impression qu'on est first. On est premier sur les coffres, ça c'est nickel. C'est bon pour nous. On a bien le x2, donc c'est qu'on est premier. Il y en a un qui est mort là. Comment il est mort de chute? Pas un coffre qui est caché là? Non, j'ai pas eu du temps pour rien. Ok, encore arrêté bêtement. Merci beaucoup Swag, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Alors est-ce qu'il y aura des petits coffres ici? Merci. Ah bonjour monsieur le boss, ça fait longtemps qu'on t'avait pas vu. Pourquoi j'ai pris des dégâts? Je pensais qu'ils étaient passés les flèches. Je fais de la merde, je fais de la merde, je fais de la merde. Oh y'a rien. T'as vu ce qu'il y a, ça y'a un truc en haut. Je suis allé trop vite, j'ai pas vu qu'il y avait la purée de poids. Le soir allonge. Il est sorti, il est en bas. Ça, on a quand même de quoi prendre des améliorations. Un sceptre, je prends. Chuter lentement, voilà, on a le best build là, le chuter lentement, dommage qu'on ait perdu des cœurs, sinon on est pas mal. Surtout qu'on a perdu des cœurs dans les premières salles, donc assez bêtement. Fouet et chuter plus lentement, chuter plus lentement il est trop bien par contre. Hop là, déjà je suis plus rapide que sur la montée. Ça c'est bon pour moi. Il y a un coffre là-bas. Pardon la merci, mais je peux pas passer. Je pouvais rien faire, j'étais bloqué dans le coin. Le coffre qui m'a mis la malle. Ah, en fait, on peut encore avoir des dégâts même quand il n'y a plus l'effet. Ok, d'accord. Avec mon long fouet, ça passe easy. Genre, il l'a eu. Je vais me rattraper là. Hop là.
bien que ça soit fini en fait. Il va nous en manquer 4. 6. Ah non, un peu plus, ça va. Bah écoutez, on va pas les catacombes. Hein. On va descendre, on va aller chercher la fin. Saigner avec deux cœurs, hein. Clairement, on va, c'est sûr qu'on va mourir. Go. Le mec devant il speedrun et il s'en fout un peu des coffres, donc ça nous permet d'en choper. Mais il s'en fout clairement des coffres. Hein. Je pensais que c'était ceux qui tombaient. Ah, pas ceux qui s'ouvraient. Je pensais que c'était ceux qui tombaient sous d'autres marches. Sortir mon chien après. Pause, je vais pas sortir. Comment t'as tiré? Bon allez. Le point est validé, après on ira à droite, valide l'autre. Go. On a assez, je pense, pour aller rechercher un truc là. Ouais, carrément. Je prends les cœurs. Clairement, sans hésiter là. C'est super haut lui, hein. Heureusement que j'ai de bon grappin. Je pense qu'on peut pas éviter les dégâts de chute par contre sur celui-là. Ah, l'autre est mort ici, ok. C'est celui qui s'est passé au-dessus, hein. Un coffre par là. Je vais charger coffre, mais ça sert à rien. Fou, j'ai pas pris de dégâts là-dessus, c'est chaud. Hop là. On a validé, c'est bleu, les deux, c'est bon. Boing. On a validé ce monde. Dommage qu'on ait eu un mauvais start, mais bon. J'ai toujours le seum pour la partie qui a crashé juste avant. Et une nouvelle relique que je dois déjà avoir. Ah non, j'ai jamais eu la tête de dragon, je crois.
Non, je l'avais jamais eu du coup. Ça a pas mal de reliques, hein. Je pense que toutes celles derrière, ça va être ceux du premier monde. Ouais, je sais pas. Mais écoutez, les gens, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller sortir mon chien. Du coup, petite pause de 5-10 minutes. On se trouve juste après. Ne partez pas trop loin. Je vous laisse avec l'écran du jeu. Comme ça, vous savez que je reviens dans 5 minutes.
Me revoilà. On est reparti pour une petite run. Direct, direct, on perd pas de temps. C'est bon, j'ai fait ma mission de commettre. J'ai sorti le chien. L'avantage, c'est qu'on a pas besoin de le racheter. On commence à avoir tout, on a beaucoup de récompenses du premier monde. On est large là-dessus. Allez, là, on se fait une belle build. On va loin. Il y a combien de personnes? 5 contre nous. Ouais. Faut juste rush du coup. Ouh, j'ai cru que j'allais prendre des dégâts bêtement au début. Mais non. Allez, go. On full rush. On est premier. Oh, sérieusement? Je suis passé à côté. Premier est rapide là quand même. J'espère qu'il va me prendre tous mes coffres. Paye tout salade là. Non, il est pas allé chercher le coffre là-bas. C'est que c'est la porte, c'est pour ça. Ah oui, est-ce qu'ils peuvent vous désactiver les trucs sous vos pieds hein? Ah, il se rouvre après, ok, d'accord. Bon, on n'a pas fait les meilleurs starts, y a rien dans les coins. Coffre. Le start de merde. Il n'y avait pas de coffre, il n'y avait rien. Je peux même pas acheter la première bénédiction. Mon dieu. On va pas aller loin dans celui-là non plus, je vous l'annonce. J'ai même envie de dire... Ça sert à rien de le continuer. C'est en train de quitter le temple quoi. Ouais, faut sûr. YouTube, Twitch, développement web et tout. Je suis freelance. C'est lui. On est à 27, je peux vous dire qu'on peut se permettre de quitter comme ça les donjons quand ils sont nuls. Hein. On peut se le permettre. Combien contre nous? 5, encore. C'était risqué, mais c'était un raccourci à prendre. Parle x2. C'était tricky, mais c'est passé. C'est bon, on a pris la tête. Ça, le plus stressant avec ce crochet là, c'est qu'il faut être tout le temps devant quoi. Yeah.
Bah, je vais le garder pour moi, en fait, du coup. Alors, parce que c'était de l'argent à moi, faux sur un. Donc, je vais juste pas le dépenser. C'était pas l'argent d'un sponsor ou quoi que ce soit, hein. C'était juste mon argent. Donc, ça fera un peu plus d'argent pour vivre, quoi. Tout simplement. Mais lui, il a dû se prendre des méga dégâts de chute quand il est descendu. Il peut pas avoir déjà un truc contre les dégâts de chute. Je suis late. Très en retard par rapport aux autres. Hein. Je prends que pas beaucoup à chaque fois. Salut Enzo, salut salut. Je suis carrément en retard par rapport à eux. C'est ouf. Mais bon, ça, j'ai quand même pas mal de pièces. Mais c'est un inconvénient quoi. Là, ce donjon là, mais tout seul, tu te mets trop bien. Il y a trop de coffres partout. C'est risqué ça. Je peux quand même les taper comme ça à distance. Ok, je suis pas obligé d'aller proche. Bon, ça va, 500 pièces quand même, on n'est pas si mal que ça. Saut supplémentaire, une chance d'ignorer les dégâts. Ignorer les dégâts, on va prendre. On espère d'avoir un truc là contre la chute. Un set de cœur. Ouais, on n'est pas si mal au niveau de la build. Oh non. Lui, il est trop galère. Il est vraiment galère comme boss. Mais bon. Normalement, il y a un truc là-haut. Ah, oh, sérieusement, les dégâts de chute là. Mais sérieusement, j'ai fait la roulade. Bon bah un cœur tout bêtement perdu. J'ai envie de dire. Jamais arrivé à monter en haut. Et à monter en bas, c'est compliqué. Là, je crois que par là-bas, il y a un coffre normalement, ouais. Je commence à connaître les cartes quand même. Alors, où c'est qu'il y a des cartes, j'ai pas les chemins les plus rapides non plus. Là, je sais qu'il faut descendre. Y aller par là, c'était juste. On a évité de peler des gueules, hein. Allez, dis-moi qu'il y a un truc bien. Genre amortisseur de chute. Cœur de plus. On a une build pas trop mal, mais il nous manque un truc pour les amortis.
Il y a encore du monde contre nous. J'ai cru que j'ai moyen. Non, j'ai tapé dedans, mais j'ai pas les pièces. Monter. Oui, je suis le premier au coffre. Enfin, il est l'autre par contre. Dommage. Ok, on peut, en fait, on peut couper directement ici, là. Je sais qu'il y en a là-haut des coffres, donc on va aller chercher tout de suite. Oh, il n'a pas! Genre. Normalement, il y en a. Tant pis. Continuons, continuons tranquillement. Oh, c'était propre là le move que j'ai fait. Le jeu c'est Phantom Abyss, un jeu comme ça où il faut réussir à aller le plus loin possible pour récupérer les reliques. Et on peut acheter des améliorations, c'est pour ça qu'il me faut des piécettes. Du premier coup. Premier coup. La descente va être technique. Non, c'est bon, ça passe. Ah, ici. Hop là. Il y avait un coffre ici que j'ai. Bien. Ah, si, il va y avoir des tonneaux. Cassé. Amélioration suivante, qu'est-ce qu'on peut avoir? C'est pas ouf, mais je pense qu'on peut attaquer la suite là-haut. Je pense qu'on peut y aller. On a quand même 4 coeurs. On a une build qui est pas trop mal. Il nous manque un truc pour éviter les dégâts de chute, quoi. Moi aussi, j'aime bien le style graphique et tout, la patte graphique, c'est sympa. Allez, ouvre-toi, mon gars. Allez, les cavernes. En fait, ça va, il est pas si dur que ça éviter ce boss-là. En fait, le plus chiant, c'est celui qui avance. Il est facile à éviter, mais vu qu'il avance toujours vers toi... Tu peux pas prendre ton temps pour passer. 4 explorateurs encore sont morts ici. Ça fait beaucoup d'explorateurs à esquiver. Pour les coffres. Aïe! T'es sûr? Ah là, c'est raccourci. Putain, les dégâts de chute qu'on va prendre si on retombe de ça. Hop là, par exemple la personne y allait, ça c'est cool, merci. On va vraiment s'appliquer sur le grappin, voilà, pour sortir. Comment je suis passé là? Ah, je t'ai pas vu toi. Ok, il y avait un truc là. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci. J'ai été écrasé, littéralement écrasé. Le jeu a dit nope, on s'arrête là. J'ai fait même pas une demi-salle au début. Yo, Dronster, salut salut.
Allez, donne-moi un donjon, il n'y a personne, s'il te plaît, au début. Ah non, le jeu qui clash. C'est fou, t'as jamais envie de l'arrêter ce jeu en fait. T'as tout le temps envie d'avancer, avancer, avancer quoi. Mais il me stressait là, le fait qu'il y ait du monde contre moi, qui fait que je me dépêchais, ça me stressait. C'est que c'est le but hein. Le problème c'est que mon grappin, je suis obligé d'aller vite quoi. Mais toute la build se fait au début donc. Je pense qu'on va voir en fonction de combien de gens contre nous. S'il y en a trop, on abandonne et on reprend. On a plein de jetons de toute façon pour récupérer notre grappin. 4 contre nous. On va voir comment ils avancent. Toi, typiquement là, il m'en prend plein quoi de pièces. Mais bon, allez. Là on l'a eu, c'est bon. Ah il a pas l'air de prendre les coffres non plus. Une bonne nouvelle, 6 speedrun mais il prend pas les coffres. Ouais, c'est bon pour nous. C'est bon. Sur les adversaires qui ne prennent pas les coffres et ça c'est bon pour nous. Sinon on va se faire masse d'argent. Pas de tourner. Ouais ils prennent pas les coffres. C'est trop bien. Là autant vous dire qu'on va se faire de l'argent. On est sur une bonne run je pense. Ah oui il est cherché celui-là par contre. Sous il tombe dessus il va aller chercher sinon il va pas les chercher quoi. Il faut aller par là, j'imagine. On perd quelques pièces quand même. Six cent vingt-sept, c'est pas mal pour un début, hein. C'est pas mal du tout. Genre. C'est moins bien ça les dégâts que j'ai pris, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut? Réceptacle de cœur? Réceptacle. On va pouvoir en acheter plein d'améliorations là, c'est ouf. Ah, chuter lentement, c'est bon, on a les ailes, ça c'est cool. Cette attaque de cœur. Bah on a une build pas trop mal, dommage les dégâts qu'on a pris là sur le balancier là, mais bon, c'est pas grave. On a les bombes, c'est pas trop mal. Bon, au moins on a plus de dégâts de chute, ça c'est cool. On va pouvoir éviter pas mal de dégâts. Pour le moment on a une build pas trop mal. Allez go. Malgré qu'il y ait plusieurs contre nous, on a bien fait de la garder. Humain là-bas. Hop. Là, j'ai pas vraiment pris d'avance du coup pour aller chercher ce truc. Bon, là non. Et là, du coup, au moins, l'avantage c'est que je peux faire. Hop là, direct dans le trou. Non, non, non. Oh, ça va, j'ai eu la chance. Tiens, tes trucs si tu veux. Je m'en fiche un peu. Y'a
fait pas de stop, c'est normalement il y en a un. Et puis on va prendre tous ces trucs là. Hop là. Il y a un peu de temps là-dessus, mais bon, on a eu des pièces au moins. Il est pas allé chercher celui-là là-haut. Tu n'auras pas avant moi. Pas mal de pièces encore une fois. Il y a vraiment qui speedrun hein. Genre il prend pas tous les coffres et tout, il va pas chercher celui d'en haut, c'est ouf. Qu'est-ce qu'on va avoir? Sauter plus haut. Ouais, ça permet d'atteindre une salle plus facilement. Ça c'est pas le truc que je prends parce que je l'utilise jamais, mais au moins pour atteindre les salles en haut. Sans avoir le grappin plus long. Sans galérer pendant 3 heures pour essayer de crocher le grappin dessus. Voilà, typiquement faire ça beaucoup plus facilement. Cette celle-là, je l'ai jamais faite, je vous avouerai. Ah, c'est celle-là, ok, d'accord. Yes, je l'ai avant lui. Les petits coffres cachés là-dedans? Oui. Genre, de toute façon, on a pensé celle-là beaucoup plus facilement en plus avec le saut au plus haut, quand même. Quand même bien pratique. Bon, oh, je peux aussi la voir. Genre, on passe tous pareil là. Ah, moi j'ai oublié de prendre la clé. Une partie de la salle. Et tiens, t'es fraîche. C'est compliqué là ce que je fais, ça va être risqué. Attends, ici c'est bon. Aïe! Mais arrête-toi quand je te tape dessus! Faut bien taper sur les lames. Je prends des dégâts trop bêtement. Ouais, je vous le dis. Là. Il y a des gens qui sont passés par là? Non! Merci pour les piécettes.
grosse poking par ici non plus. Non. Eh bien, on est pas mal, on va pouvoir aller dans les catacombes, je pense. Ce serait bien d'avoir un petit soin. Ah! Une portée du fouet. J'ai jamais eu le truc gardien qui s'énerve pas, mais bon. Il nous embête pas trop, donc. On peut ne pas le prendre. Attaquons les catacombes. On a 3 cœurs, on n'est pas trop mal non plus. On a une build qui est à peu près potable, donc ça va. Il y a moyen qu'on le finisse. Si on ne crache pas cette fois-ci. Lilix, merci beaucoup pour ton follow. Merci à toi, welcome. Et 5 explorateurs. Oh, toujours plus. Toujours plus. Ils vont me piquer tous mes trucs. Bon, je suis obligé de speedrun le début du coup. Prochain coffre, je les aurai en premier comme ça. Ça par contre, pas sûr qu'ils arrivent à les avoir. Moi j'ai ce qu'il faut. Non, personne n'allait les chercher tout là-haut. Là t'es en train d'avoir un sacré grappin pour y aller. Je prends le risque de passer dedans. Il y en avait en bas, sérieusement. Wow, 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 wow. Remonte. Oui. Ouh. Cette save. Alors, moi je dis, on évite les. On arrête les coffres, on a assez d'argent. Ce qu'on va essayer, c'est de finir ce monde déjà pour une fois. Ici. C'est vrai que j'ai un méga grappin maintenant, c'est trop bien ça. Va apprendre à prendre des méga raccourcis quoi. Wouhou! Pas mal cette build quand même hein. Avec le grappin plus les chutes ralenties là. Du tout, hein, même. Bien. Et puis on a pas mal de pièces, on pourra acheter un truc au prochain de bénédiction. Qu'est-ce qu'il va nous proposer de bien? Un petit soin serait cool. Faut être plus rapide, ouais. Et il faut combien? 450. Ah, pff, dommage, j'aurais bien pris un petit soin là. On a plus que 2 cœurs. J'ai dit 450, c'est ça? Je suis pas le seul à monter là-haut apparemment. Bon. Genre, j'ai jamais vu ça, un truc de bénédiction caché comme ça. Ah oui. Je crois que j'ai les moyens là-dessus.
Mais j'ai jamais vu ça, un trou avec un truc de bénédiction. Plus qu'un cœur. Je voulais trop vite. Mais il a un pilier devant lui, ok, du coup il peut pas tirer. Carrément, il a bouché la sortie? Non, j'ai pas l'impression de la sortie par là. Le méga grappin quand même. Il faut vraiment de la vie à un prochain truc dès que je peux. Dès qu'il me propose de me soigner, je le prends clairement. Masse de pièces là. 900. Ah bah là, dis-moi que tu me soignes. Dis-moi que tu me soignes, s'il te plaît. S'il te plaît, un soin. Un seul cœur. J'ai bien aimé un 3 cœurs. Et il me manque à 50 pièces. Peut-être qu'au prochain, on pourra le récupérer. Ah. Allez, l'avant-dernière salle, et après on ira chercher les reliques. On prend même pas le temps. Juste prendre son temps là. Pour le tour, prend son temps. On avance de 2 à chaque fois. C'est bon. Là, on est largement premier, je pense. Sur tout le monde. C'est bon, on peut prendre un peu plus notre temps. Du coup, la clé là-bas, ok. Speedrun de qualité. Ah, j'oublie un coffre. Tant pis. Ok, donc faut que je saute là. Là, que je saute ici. Ah non, il y avait un truc qui me gênait. Il y avait un caillou. J'ai pris un dégât sans le vouloir parce que le jeu a pas voulu que je passe. Lui, hein. Du soin, s'il vous plaît. Genre, j'ai que ça. Bon, bah écoute, pas trop le choix. Ah, oui, ça y est, je suis arrivé à la fin. Aux 4 épreuves. Du coup, là, il y a 4 épreuves, c'est ça?
quatre épreuves pour avoir la relique. Et moi, ça passe. Je découvre, je suis jamais venu là. C'est la première fois que je joue aussi loin. Alors, il y a une porte par là, une porte par là. Ouais, il y a quatre portes parce que si j'imagine que je vais. Toi, stop. Ouais, il a quatre symboles, lui. Vous voyez, il y a quatre symboles sur la porte là. Du coup, il faut faire les quatre portes pour réussir à passer. Ok. Bon bah vu qu'on est arrivé jusque là, autant partir dans celle-là. Alors je me remets en tête ce que j'ai. J'ai les ailes pour ralentir, j'ai le fouet long, j'ai ignore dégâts, je chaud chargé et je fouet rapide. Ok. Let's go. Hop. Parce que là j'ai qu'un cœur donc le moindre dégât c'est la fin. Autant vous dire que je vais prendre mon temps. Mais si jamais je trouve des pièces, je suis preneur. Par où c'est? C'est par là, c'est ça? Il y a un nouveau piège là. Wow. Attention, nouveau piège. Il y a plein de pièges que je ne connais pas. Maintenant. Par où est la sortie? S'il vous plaît. T'es actif toi? C'est actif une fois par an. Par là est la sortie. Hop là, là on a gris une bonne partie. Le premier c'est validé mais on a quasiment pas de pièces. En haut à gauche. Prends zéro risque ici. Hop, à la première salle par là. C'est chaud là, la partie, toute la partie couloir là. Moi je veux des pièces. Ah merde, j'ai un peu mal arrêté. Putain, lui il est reparti. Bon, ça passera comme ça. Heureusement que l'autre m'avait pas coupé par derrière, hein. J'aurais eu le seum. Bon, tout ça c'est facile. Putain, y'a pas de coffre. C'est ouf. Un coffre. Il y a pas un autre là-bas? Oui, il y en a un autre là-bas. Ok, c'est que des coffres x2 donc ça vaut le coup de les prendre. Perdre un peu de temps pour aller les chercher. Là-bas, je pense qu'avec un son, on peut l'avoir direct. Là, on a des pièces, c'est bien. Je reviens, hop. Toi, tu reviens. Toi, je passe au-dessus au pire. Hop là. Ah, je m'attendais tellement pas à ça. Ça passe! Oh, j'ai eu tellement chaud là! Oh, c'est passé à une frame à mon avis. Hein. Ça m'a appuyé sur la tête. Je me suis baissé avec le mur. Hop, ça passe. Allez, plus que deux.
En fait, faut bien regarder les patterns des trucs. Comme ça, ça passe. Oui. Voilà, on va faire chier. Par au-dessus. Prendre son temps, MX, parce qu'on a qu'une ville, on n'a pas le droit à l'erreur. Puis j'aurais pas eu de quoi pour acheter un autre. Boost facile, hop. J'ai des chances, je peux vous dire que... J'ai beaucoup trop de chances dans cette partie. J'ai failli mourir 15 fois dans cette salle. C'est n'importe quoi. Allez, plus qu'un. On a assez pour en plus s'acheter une bénédiction. Dites-moi qu'il y a une bénédiction qui se soigne. Dites-moi, s'il vous plaît, que j'ai une bénédiction qui va me soigner. Un cœur. Bon, c'est toujours un cœur de prix, hein. Mais il y a la 3 cœurs, moi, que je voulais, en fait, à la base. Ah, mais en fait, on peut passer là-haut. Je crois que c'est par là que je l'ai pas fait encore. Hop là. Ah mais en fait t'es obligé de te les prendre si tu glisses. Oh, je pense que ça a passé. J'ai le seum. Il y avait trop de pics de partout. Je pensais que ça, j'allais pouvoir attendre pour passer tout juste à chaque fois, quoi. Mais apparemment non. Ah, j'étais trop proche du but. C'était la dernière salle. Bon, du coup on va s'arrêter là nous. Moi je vais aller manger. Je vais juste voir si je peux dire que je veux la refaire. Est-ce que là on peut rentrer un truc dans le checking server? Ok. Parce que je voulais. Bah écoutez les gens, nous on va s'arrêter là. J'espère que ce petit live vous aura plu. C'était bien cool, ce sera un petit jeu qui change. On aura pas réussi à finir la deuxième salle, mais on y arrivera dans le prochain live, ça c'est sûr. Et voilà, j'espère que ce petit live... Ah, bien rempli, tac tac. On peut copier des trucs ici? Attendez, je découvre des trucs. Est-ce que je peux le reprendre du coup? Ah oui. Ah non, ça marche pas, ok. On peut pas faire notre propre temple, je regardais. Mais voilà, j'espère que ce petit live vous aura plu. C'était bien cool, nous on se retrouvera sans doute la semaine prochaine pour essayer d'avancer et d'aller finir un peu ces, ce deuxième niveau, ça serait cool. Et bah voilà, moi je vous souhaite un bon appétit, bon vendredi, bon week-end à tous. C'était MXWay. Ciao, bye bye.